Dr. John Bennett, broadcasting from Miami Beach on the French Neurosurgery Grand Rounds. And Saeed Taha, a neurosurgeon from the island of Reunion off the east coast of Africa, has arranged the whole thing. And this is the last time you'll hear English today. <laughs> Welcome, Saeed. Thank you very much, John. Bienvenue, uh, Jean, uh, à notre webinaire. Euh, on te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Euh, je fais une introduction comme d'habitude. Euh, le professeur Jean Régis est euh, euh, professeur, euh, chef de département de euh, service, département de stéré stéréotaxie, chirurgie fonctionnelle et radiochirurgie. Euh, il est euh, 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 professeur honoraire euh, de neurochirurgie à l euh, Tokyo Women Medical University. Euh, il est euh, co-auteur euh, de plus de 570 euh, articles référencés sur DOCMED. Il était vice-président de la um, European Association of Neurosurgical Societies. Il est euh, secrétaire euh, de la Re uh, European Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery, past euh, ancien président de l'international Stereotactic Radiosurgery Society et de la European Gamma Knife Radiosurgery Society, ainsi que de la Société française de neurochirurgie. Euh, il est euh, également euh, euh, Reviewer de, de euh, plusieurs euh, journaux internationaux. Bienvenue, euh, Jean, euh, à, à ce webinaire et à toi la parole. Merci beaucoup. Je suis en train de partager mon écran. Merci de me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de m'avoir demandé de par partager mon expérience euh, de, de l'intérêt de la radiochirurgie dans le traitement des malformations veineuses euh, cérébrales. Euh, je, je, je vous propose de, de brièvement euh, revoir euh, l'historique, les mécanismes d'action, les bases radiobiologiques, les, les résultats, les limites, euh, le, la, la comparaison à l'histoire naturelle. Euh, et, et le problème difficile des indications de, des différentes approches des malformations artéro cérébrales euh, en neurochirurgie. Alors, euh, et, et je crois qu'il est très intéressant de se rappeler que la radiochirurgie, lorsqu'elle a été inventée dans les années 50 par Lars Lexel, à un moment où la, le, la, la radiologie n'offrait que très peu d'opportunités, euh, euh, l'IRM, le scanner n'existant pas, euh, existait l'artéographie, on pouvait voir les malformations artéro-véneuses. Et ça a été la première situation où on a pu observer que la radiochirurgie permettait non pas d'être actif comme un knife, comme un, un, un instrument de destruction dans le cerveau, mais comme une approche de, euh, pour obtenir un effet biologique désiré de façon très spécifique dans le cerveau, puisque quand on traite une malformation arthroévéneuse dans le cerveau, par radiochirurgie, on ne la détruit pas, on ne la coupe pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on induit une modification qui va conduire à son oblitération, à la prévention du risque hémorragique, et qu'en plus, on peut obtenir d'autres effets biologiques désirés, par exemple dans le cadre qui est présenté sur cette diapositive, le patient épileptique n'est plus épileptique au bout de quelques mois. Donc, on est complètement dans les indications de la radiochirurgie qui ne sont pas des indications lésionnelles, mais qui sont des indications où on... N'obtient un effet biologique désiré de façon spécifique. Alors, euh, si j'arrive à passer à la diapositive suivante, a pas, voilà. euh, les effets, en effet, c'est la, la prolifération de l'endothélium. On, on, on voit que l'endothélium, progressivement, par prolifération, va occulter la lumière des vaisseaux anormaux. On a une prolifération des myoblastes dans l'adventice et donc l'occlusion du nidus artéro-veineux. Et ça se fait dans un délai, dans un délai qui est de trois ans, ce qui est la, la limite principale de la, de la radiochirurgie. Il n'y a pas du tout de limite topographique, mais il y aura une limite de volume pour les indications de la radiochirurgie. Alors, la, la radiobiologie de la radiochirurgie peut se résumer de façon extrêmement simple. Puisque on sait, et cela a été démontré par toutes les études de radiochirurgie depuis, depuis toujours, c'est que quand on augmente les doses de prescription, comme vous le voyez sur le graphe de droite, quand on augmente les doses de prescription progressivement, on arrive à un taux d'oblitération des malformations artério-veineuses qui est absolument remarquable, puisqu'on on est à 95% d'oblitération des malformations artéroméneuses quand on est autour de 25 grés de prescription. Et tout le monde a retrouvé la même chose. Donc, il y a une relation entre la dose qu'on peut délivrer à une malformation et la probabilité que l'on a de l'oclure. Euh, ça, c'est dans le monde euh, théorique. Dans le monde réel, ce qui se passe, c'est que euh, quand on traite une malformation artéroméneuse, quand le volume de la malformation artéroméneuse augmente, euh, on, on va avoir un, un, une augmentation de risque de toxicité. Et à ce moment-là, on va être obligé de diminuer la dose de prescription. Et comme on diminue la dose de prescription, comme le montre le graphe de droite, on va diminuer la probabilité de conclure cette malformation. En fait, le prédicteur de toxicité qui a été démontré pour être le, le plus solide, c'est le volume de la 12-gré, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on prescrit d'habitude sur une malformation artérovéneuse. Et quand on regarde le volume de 12 grés, Lorsqu'on traite une malformation, on voit qu'en fonction de l'augmentation de ce volume, la toxicité augmente. Donc on va être en permanence, quand on réfléchit à l'indication de la radiochirurgie dans les malformations intraveineuses, entre ces deux graphes. Théoriquement, on sait qu'on peut être très efficace, mais ça dépend du volume de traitement que l'on va devoir inclure. C'est très vrai, mais c'est vrai en fonction de la topographie, parce que bien entendu, le schéma précédent était un schéma qui était un volume théorique de la 12gré, c'est un volume qui est sans tenir compte de la topographie. Après, quand on regarde où on est, cette probabilité de voir apparaître une toxicité radiologique va plus ou moins se transformer en une probabilité d'avoir une toxicité clinique, puisque... Quand on est dans le tronc cérébral, on va avoir une probabilité d'obtenir un effet secondaire toxique clinique qui sera beaucoup plus élevé, bien entendu, quand on est dans l'opre frontal. Et vous voyez ici, vous avez des courbes de prédiction qui sont des courbes de prédiction en fonction de la topographie. Et on voit très bien que, bien entendu, quand on va réfléchir à prédire le résultat en termes de toxicité de la radiochirurgie, on devra tenir compte de la topographie de la malformation. Alors les résultats de la radiochirurgie, quand on regarde les grandes séries de la littérature, c'est ce pas 95%. Et c'est ce pas 95%. Vous voyez la colonne ici. Pourquoi Tout simplement parce que dans la vraie vie, on n'a pas que des petites malformations faciles à traiter, où on peut donner systématiquement une dose efficace. On a quelquefois des malformations compliquées, quelquefois des malformations volumineuses. On est obligé de réduire le volume, de la dose de prescription. Et donc dans la vraie vie, en moyenne, on est entre 60 et 80% d'occlusion dans les séries de malformations intraveineuses. La grande limite de la radiochirurgie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le délai de fermeture de la malformation, c'est-à-dire que pendant ce délai de fermeture induit par la radiochirurgie, on risque d'avoir une hémorragie pour le patient. Et c'est bien entendu l'information qui est capitale et qui va être réfléchie quand on prend une décision et qui va être exposée au patient de façon tout à fait systématique. Alors, quand on regarde en réalité ce que ça donne, vous voyez ici dans ce tableau de l'équipe de Tchèque, de, 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 de Prague, vous voyez en fonction de l'année, 1, 2, 3, 4 ans, vous voyez le taux d'oblitération, euh, 22, 50, 72, 80%. Vous voyez que progressivement, lorsque les années passent, l'augmentation du taux de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne guérit pas à trois ans. Il y a des MAV qui vont commencer à guérir dès la première année, mais ce n'est qu'à trois ans qu'on commence à atteindre le seuil, euh, en sachant que le, le, le maximum de taux d'oblitération est obtenu à quatre ans. Quand on regarde, lorsqu'on regarde la série, quand on s'autorise un second traitement lorsque le premier traitement n'a pas été suffisant, vous voyez que le taux de augmente encore. Alors Comment ce, ce délai de, de, dans le temps que met la radiochirurgie à être efficace va, va se traduire en un risque supplémentaire pour le patient en termes de, de, de risque de, de vital euh, et, et de, de déficit neurologique eh bien vous voyez ici c'est une série de, 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 de l'équipe pionnière de, du Karolinska qui a été publiée en 96. Vous voyez que sur 1604 patients, ils ont 49 hémorragies dans les deux années qui suivent la radiochirurgie, et vous voyez que le risque d'un déficit permanent ou du décès du patient entre le moment de la radiochirurgie et le moment de l'oblitération, c'est 0,5% pour les petites malformations, et ça va jusqu'à 4% pour les grosses malformations. Donc vous voyez voilà, quand on, quand on discute. De cet inconvénient qui est celui du délai d'action de la radiochirurgie et donc du risque qui lui est inhérent de voir saigner le patient entre temps, c'est un risque qui est entre 0,5 et 4 en fonction du volume de la malformation. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut se rappeler que quand même, il y a une solution qui s'appelle la chirurgie. Et que quand on a une malformation artérovéneuse qui est un grade 1 à 3 de Spessler-Martin, eh on a une probabilité de guérir les patients avec une très faible morbidité-mortalité. Vous voyez ici les grandes séries de la littérature. Vous voyez ici les taux de morbidité-mortalité. Quand on a des malformations intraveineuses qui se prêtent à la chirurgie, c'est-à-dire les grades 1 à 3, il faut se rappeler qu'il faut continuer à proposer de la chirurgie d'exérès des malformations dans ces indications-là parce que la morbid mortalité est tout à fait raisonnable dans ces grades-là de Spetzler, et que la radiochirurgie aura un défaut qui sera son délai d'efficacité. Alors, bien entendu, le grand avantage de la radiochirurgie par rapport à la chirurgie d'exérèse, c'est que les grades supérieurs de Spessler et Martin et par Ici, vous voyez un, un grade 5 de spersler martin Ça, c'est une malformation artéovéneuse qui passe à travers le mésencéphale et la lame tectale. C'est une malformation qui est absolument inopérable, si ce n'est en coupant en deux le tronc cérébral. Euh, et vous voyez, cette malformation artéovéneuse n'est absolument pas une contre-indication de la radiochirurgie. Euh, vous voyez ici, c'est une malformation que nous avons traitée il y a quelques années. Euh, vous voyez le jour de la radiochirurgie, l'artéographie de profil et de face. Vous voyez l'imagerie en résonance magnétique euh, et vous voyez ici euh, le, la dosimétrie, le volume qui a été traité. Parce que on ne traite pas la partie veineuse de la malformation. Et ce patient, il y avait un, euh, trois ans après, vous voyez que la malformation a presque complètement disparu. Il reste un petit nidus résiduel. Donc on traite une seconde fois ce patient pour continuer le traitement. Et vous voyez que euh, sur le long terme, ce patient est totalement guéri. On voit la disparition totale de tout retour veineux précoce. Donc ça, c'est la grande force de la radiochirurgie, c'est qu'il n'y a pas de limite de topographie et que même dans les endroits qui sont les plus impossibles pour la chirurgie conventionnelle, on peut arriver à guérir des malformations artério-veineuses en évitant... Le, le, totalement le risque de déficit ici d'un patient qui n'a absolument aucun déficit induit par la radiochirurgie, euh, qui, qui avait simplement un déficit oculomoteur qui était induit par le saignement qu'il avait eu euh, initialement. Alors, bien entendu, quand on réfléchit à l'indication de la radiochirurgie, euh, il faut euh, peser euh, les avantages et inconnus de la radiochirurgie en comparaison avec les alternatives. Et parmi les alternatives, il y a une chose qui est très importante, c'est l'histoire naturelle. Et l'histoire naturelle, c'est quelque chose qui est extrêmement différent d'un patient à l'autre. Moi, quand j'étais euh, interne... Euh, je pense que notre, nos, nos maîtres avaient une attitude un tout petit peu excessive qui était de dire systématiquement aux patients qu'ils avaient une épée de Damoclès de la, de la tête et que d'une seconde à l'autre ils pouvaient avoir une mave qui explosait dans leur tête en les tuant. Euh, c'est vrai pour certains patients, mais ça ne l'est pas vrai pour tous. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'être capable de nuancer le propos que l'on tient aux patients. Ce que vous dit la littérature de façon très synthétique, et là je prends un papier de, de Bob Gross en 2012, vous voyez que le fait Facteur numéro un, bien entendu, c'est l'antécédent hémorragique. C'est-à-dire les patients qui avaient déjà saigné, ils ont 4% de 4 de risque, alors que ceux qui n'avaient jamais saigné, ils ont la moitié du risque hémorragique annuel. Et puis, quand vous regardez les autres facteurs de risque, c'est très classique, mais c'est important. et eh bien, on s'aperçoit que euh, ceux qui ont une, une malformation veineuse profonde euh, ou un drainage veineux profond unique ou et, et où un anévrisme associé. Ce sont trois facteurs de risque additionnels et que donc quand on veut évaluer le risque individuel d'une malformation vénaleuse, ces quatre paramètres sont absolument indispensables à prendre en compte. Ça change radicalement le risque émogique. Regardez ici, voilà de façon un tout petit peu synthétique ce que ça donne sur un papier en neurologie de 2006. Vous voyez qu'un patient qui n'a pas ces facteurs de risque et qui n'a jamais saigné, en gros, il a moins de 1% de risque hémorragique par an. Alors que quand vous regardez les patients qui sont ici dans la tranche qui a tous les facteurs de risque hémorragique et qui ont saigné, vous apercevez que leur risque de saigner annuel, il est proche de 40% de, de probabilité de saigner par an. Donc vous voyez à quel point il y a d'un patient à l'autre une énorme hétérogénéité et qu'il est absolument indispensable de, de, de réfléchir de façon individuelle le, 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 le profil de risque du patient. Donc quand on, quand on va réfléchir une malformation artéméneuse, il faut nuancer le propos, il ne faut pas dire systématiquement aux patients qu'ils ont un risque effroyable une épée de autour de la tête et c'est ce qu'a voulu adresser l'essai clinique Aruba il y a quelques années donc l'intention d'Aruba était relativement louable, il s'agissait d'essayer de montrer que les malformations artérioveneuses à faible risque, c'est-à-dire n'ayant pas saigné, euh, euh, ne, ne justifiaient peut-être pas une agressivité neurochirurgicale trop importante. Ça Jusque-là, on peut suivre. Le problème, c'est que cet essai thérapeutique a été un essai extrêmement mal conduit, qui est un, un essai extrêmement critiquable. Euh, le, ce que prétend démontrer l'essai le, le, d'Aruba, c'est que toute pri tout prise en charge... Euh, neurochirurgicale comporte un risque euh, d'accident neurologique qui est supérieur à l'histoire naturelle des patients lorsque ces patients n'ont pas saigné. Ça, c'est la conclusion d'un C'est une conclusion qui n'est absolument pas acceptable et qui n'est absolument pas capable pour toute une série de raisons. D'abord parce que initialement, quand cet essai a été préparé, euh, il avait été calculé qu'il fallait 800 patients avec au moins 5 à 10 ans de suivi euh, comme ils n'arrivaient pas à recruter, ils ont dit on va, on va recruter 400 et finalement ils ont publié en en ayant fait 230. Euh, ils avaient dit il fallait 5 à 10 ans de suivi et puis ils les ont publié quand ils avaient 30 mois de, de suivi. Euh, et et l'argument, c'était de dire oui, oui, mais on a publié beaucoup plus tôt avec beaucoup moins de patients parce que la toxicité était tellement importante que c'était évident bien plus tôt euh, dans, dans le, dans le, le processus euh, de l'essai. Mais le problème... Euh, euh, c'est que euh, cet essai étant un essai sur un terme très court, euh, ne, ne, ne répond pas vraiment à la question parce que la question c'est pas savoir c'est sur deux trois ans les gens euh, ont plus de risques avec l'histoire naturelle qu'avec les interventions. La question c'est de savoir si ces gens à l'échelle leur espérance de vie euh, euh, l'histoire naturelle leur donne plus de risques que les interventions, et c'est pas du tout comme ça que pose la question euh, cet essai donc c'est très important de réfléchir de façon très sérieuse à ce que euh, ce qu'est le risque naturel et puis il y a un deuxième problème qui est que ici, les auteurs confondent de façon complète toutes les approches, c'est-à-dire que euh, l'exérèse microchirurgicale, l'embolisation le, le, et la radiochirurgie sont considérées de façon complètement globale, alors que la radiochirurgie, à l'évidence, comporte beaucoup moins de risques et, et on, on, on met le blâme sur toutes les techniques sans aucune distinction. Euh, donc c'est quand je fais faire des... des, des des, du travail avec les étudiants sur l'épreuve d'analyse des papiers. Je montre toujours ce papier comme étant un papier extrêmement mauvais en termes de méthodologie, extrêmement biaisé. Et le problème, c'est que c'est un papier qui est publié dans une grande revue. Quand le problème essentiel, en fait, de ce papier, c'est que une fois de plus, on considère le très court terme. Regardez un petit peu ce graphe. Ce que vous voyez, c'est quoi C'est qu'ici, vous avez le, le risque cumulatif de morbimortalité. mortalité. Et à très court terme, sur les 2-3 ans, ce qu'a fait les Aruba, il y a la toxicité des interventions. Parce que bien sûr, quand vous faites une intervention, bien, vous allez avoir dans les 2-3 ans qui suivent les risques de toxicité de l'intervention. Mais après, c'est fini. Par contre, dans tout le reste de votre vie, vous voyez arriver les risques hémorragiques. Et donc, ce que montre ce, 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 ce graphe, c'est que. Pendant, au tout début, il y a un peu plus de toxicité liée aux méthodes interventionnelles, mais sur le long terme... C'est-à-dire la vraie vie, ce qui va se passer vraiment pour ces gens-là, en tout cas en ce qui concerne la radiochirurgie. Dans la vraie vie, le risque, si on ne fait rien, il est beaucoup plus élevé que le risque de faire de la radiochirurgie. Et ça, c'est extrêmement important et c'est très intéressant d'un point de vue euh, du, du biais méthodologique euh, de cette étude. Alors, pour, pour adresser ce problème, on a regardé un petit peu nos patients. On a une cohorte qui est pratiquement de plus de 2000 patients. On a pris ceux qui étaient traités avec un follow-up suffisant. Donc, on, on s'est arrêté à 2014 pour avoir vraiment du suivi chez nos patients. Jusqu'à entre 1992 2014, on a presque 2000 patients. Et on a pris les patients qui étaient Aruba-like, c'est-à-dire qui étaient incluables dans l'essai Aruba, c'est-à-dire des malformations qui n'avaient jamais saigné et qui correspondaient aux critères d'inclusion dans Aruba et pour lesquels on avait un suivi. Et donc, vous voyez, nous avons à peu près 300 patients qui ont été traités par radiochirurgie et ça a été sorti par un neuro-radiologue qui s'appelle docteur Jean-François Hack qui est absolument pas neurochirurgien qui est absolument pas dans notre équipe et qui donc était indépendant de nous pour juger de nos résultats et donc ce que montre le travail de Jean-François euh, c'est que premièrement vous voyez globalement la population que nous avons traité la façon dont il se présentait euh, ces patients euh, ils avaient une probabilité d'être guéris qui était d'à peu près 77% à terme. L'autre euh, observation, que, et c'est la plus importante puisque c'était le sujet d'Aruba, c'est que quand on regarde la probabilité avec la radiochirurgie d'avoir un déficit neurologique permanent, nous avons 2% de risque d'hémorragie, per... de, 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 de déficit neurologique permanent. 2%. 2%, ce qui est extrêmement faible. Et quand on regarde ce que sont ces 2%, c'est-à-dire ces 5 patients, on s'aperçoit que... La plupart des patients, c'est des patients dont on, on a eu l'impression qu'ils faisaient un petit peu plus de crise commerciale euh, Donc, ce n'est pas vraiment un déficit neurologique sévère, hein, c'est juste qu'ils font un peu plus de crise commerciale Et le, le seul qui avait une aggravation neurologique euh, déficitaire, c'était un patient qui avait euh, aggravé un déficit phasique. Donc, vous voyez que, en fait, dans cette population très large, très, très longtemps suivie, on a une toxicité à la radiochirurgie qui est extrêmement modeste. Euh, et quand on regarde l'analyse multivariée, on retrouve les facteurs prédictifs habituels. Alors quand on compare notre série par rapport à Aruba, et on a aussi mis dans ce tableau les autres études, les études de Ding, les études de Carlson, on est extrêmement étonné, parce que ce que retrouve Aruba comme toxicité des approches interventionnelles, c'est absolument pas ce qu'on a dans notre expérience. Vous voyez ici que nous, on est à un taux d'occlusion de, 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 qui, qui est très élevé à un an sur une seule radiochirurgie et qu'on a un, un risque d'avoir un déficit neurologique qui est à 2% avec un risque d'hémorragie transitoire qui est à, à 3% ce qui n'est absolument pas ce qui est rapporté dans rouba où il est rapporté dans le bras interventionnel 22% d'effets de, de, de toxiques alors donc, on a besoin d'évaluer l'histoire naturelle parce qu'on a besoin d'outils pour, au moment de la prise de décision, comparer les vertus respectives pour un patient individuel des différentes approches que seront la chirurgie, la radiochirurgie, l'embolisation ou le simple suivi. Donc, on a besoin d'échelles. Les échelles, on en connaît une, c'est le grade de space mais ce n'est pas du tout adapté à la radiochirurgie. Donc ça sert à savoir ce qui se passerait si on opérait, mais ça ne nous dit rien de ce qui se passerait si on faisait de la radiochirurgie. Et pour la radiochirurgie, il y a toute une série de gradings qui ont été publiés. Il y a un grading qui est particulièrement reconnu, qui est celui de Pollock et Flinkinger. Et vous voyez, c'est un grading extrêmement simple. Vous prenez le dixième du volume, 0,02% de l'âge et 0,3% pour un facteur de localisation. Et là, vous calculez un score et ce score va vous dire quelle est la probabilité de guérir cette malformation sans déficit neurologique. Donc vous voyez ici que les patients qui ont un score qui est inférieur à 1%, ils vont avoir une probabilité de guérir sans aucun risque de déficit qui est de 90% qui est énorme. Et puis, ceux qui auront un score supérieur à 2, ils seront beaucoup moins favorables. C'est-à-dire que la probabilité de guérir sans déficit, elle sera de 45%. Donc, ça, c'est un outil très important, parce qu'en effet, quand on voit le dossier d'un patient, il faut, il faut être capable de dire, ça, c'est un très bon répondeur à la radiochirurgie, ça, c'est un moins bon euh, patient pour la radiochirurgie. Alors, en pratique... Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde une malformation artéo de petit volume, euh, ça c'est typiquement une très bonne indication de la radiochirurgie. Alors, l'embolisation euh, dans ce type de malformation, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Eh bien, ça n'en a aucun en fait. Hein, vous voyez ici, c'est c'est un exemple d'abus d'indication de l'embolisation puisque quand vous embolisez une malformation comme ça, certes vous diminuez un petit peu la, la circulation dans la malformation, mais en fait un, euh, vous avez pris des risques, deux, le patient n'est pas guéri donc comme il n'est pas guéri, il a toujours un risque hémorragique donc il faut faire une radiochirurgie derrière, trois, la radiochirurgie comme on, avec le cast on voit pas bien vraiment guéri. On va prendre le même volume, donc ça n'a absolument pas permis de réduire le volume de traitement et on ne fait que additionner les risques des différentes thérapies. et On n'a absolument pas amélioré notre capacité à guérir ce patient. Alors, j'aime beaucoup montrer cette diapositive de, de M. Schramm, Johannes Schramm. Johannes Schramm montrait cette diapositive en, en parlant de Sir Edmund qui avait gravi le mont Everest. Et on demandait à Sir Edmund, mais pourquoi avez-vous fait cet exploit Il a dit, ben, c'est parce qu'il était là, donc je suis monté. Et ben c'est un peu pareil. Euh, quelquefois, les radiologues, ils mettent le tuyau dedans, ils voient une malformation, ils disent, ben, j'y suis, donc je euh, Et ben ça, ce n'est pas bien du tout, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Euh, pourquoi c'est très simple, vous voyez ce graphe. Eh bien, Quand on regarde la probabilité de guérir une malformation artéveneuse par radiochirurgie, très jeune, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est extrêmement dépendant de la dose que vous donnez. Donc Ici, ce graphe rapporte les résultats en fonction de la dose délivrée, donc en fonction du volume. Et Vous voyez que en violet, quand cette malformation a déjà été traitée par embolisation avant, actuellement, le risque de, de, de la probabilité de guérir est beaucoup plus faible. Donc, euh, emboliser, ça permet quoi ben, Ça permet de réduire considérablement les chances de guérison par la radiochirurgie. Donc, quand une malformation est traitable upfront par, par radiochirurgie, il ne faut surtout pas l'emboliser au préalable. Alors, quand ce papier est sorti, on a dit oui, mais c'est certainement parce que les gens qui ont été embolisés avant, c'était des malformations plus compliquées, etc. Pas du tout. Tous les papiers qui sont sortis depuis ont montré exactement la même chose en faisant très attention à, à s'affranchir de ce biais. Euh, il est indiscutable qu'une malformation artéro qui a été embolisé préalablement perd des chances d'être guéri par la radiochirurgie donc une malformation qui est guérissable upfront par la radiochirurgie il faut surtout ne pas l'emboliser préalablement alors après il y a une limite bien entendu, les grosses malformations artéroïdiennes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une très grosse malformation D'abord, On peut la contre-indiquer, on peut dire, bah non, c'est trop gros, ce n'est pas pour la radiochirurgie, il ne faut peut-être rien faire, et je pense que c'est très important de s'en souvenir. Après, on peut faire ce qu'on appelle le stage radiochirurgie, et ça, c'est euh, quelque chose qui est très à la mode en ce moment et qui peut très bien marcher, c'est-à-dire qu'on a une malformation artéroïdienne dont on peut dire, on va traiter un, une composante, et puis dans quelques mois, on traitera une deuxième composante, et on, on améliore la, la tolérance. On a essayé, certains centres ont essayé la radiothérapie stérotaxique, qui ne marche pas. Et il ne faut pas dire que ça marche, c'est faux. Tous les centres qui l'ont essayé sérieusement ont montré que faire du traitement fractionné dans les malformations artébineuses, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire de traitement fractionné dans les malformations artébineuses, parce que quand on fractionne, le tissu sain le tolère mieux, mais la malformation aussi. Et donc, si on veut en faire un traitement fractionné, guérir une malformation, mais il faut augmenter les doses. Et si on augmente les doses, on augmente à nouveau la toxicité. Donc ce n'est pas la solution. Puis il y a une autre approche qui est un petit peu plus la nôtre, qui est de dire qu'il faut faire très attention à... Essayer d'analyser l'enjeu architecture de la malformation la plus, le, le plus finement possible. Et quand on arrive à bien regarder l'enjeu architecture, à bien comprendre la malformation dans son enjeu architecture, eh bien, on fait bien la différence entre ce qui est les veines afférentes, les, les artères afférentes, les anastomoses artériolaires qui ne sont pas du nidus. Et on arrive à déterminer dans le volume de la malformation ce petit sous-volume qui est le nidus proprement dit, qui est vraiment le, la cible de la radiochirurgie. Et même quand ce nidus lui-même est trop volumineux, on peut dire qu'on va traiter que la partie, le versant veineux de ce nidus. Et à ce moment-là, on se retrouve dans des malformations qui sont réputées pour être trop volumineuses. Et quand on, on prend le temps d'une analyse en géoarchitectonique, on arrive à dire finalement non, le volume à traiter, il n'est pas grand et il est tout à fait compatible avec une radiochirurgie. Donc ça, c'est très important, c'est extrêmement euh, intéressant. Donc euh, en, en gros, on peut résumer ce que je viens de dire par ces quelques mots euh, qui étaient des mots de Valavanis, qui était le neuroradiologue qui travaillait avec Azergil, qui disait que euh, le problème des grosses malformations intraveineuses, c'est que très souvent, L'angéogénèse périnidale, la néoangéogénèse périnidale est prise pour de la malformation, alors que ce n'est pas du nidus proprement dit, et que le fait de prendre l'angéogénèse périnidale comme de la malformation, ça conduit à surestimer le volume thérapeutique et donc à, sur à augmenter le risque de toxicité et à diminuer les chances d'efficacité. Donc, c'est très important de distinguer l'angéogénèse périnidale du d'unidus proprement dit, d'où l'importance d'une bonne expertise en, en matière D'analyse en jeu architecturale des, des malformations arthrévéneuses. Alors voilà typiquement des exemples. Ça, c'est un patient qui avait une grosse malformation arthrévéneuse en région centrale, qui avait saigné avec un hématome, une chirurgie sur un hématome, un déficit neurologique. Trop gros pour la radiochirurgie, ce, ce résidu après chirurgie restait trop gros, on l'a traité en deux fois. Vous voyez ici en bleu la première radiochirurgie qui a fermé tout ce qui était dans le volume bleu, a été fermé par la radiochirurgie et euh, deux ans après, il reste un, idu, un peu de nidus en avant, un peu de nidus en arrière qu'on a traité aussi par radiochirurgie avec une occlusion complète à terme. Ici un autre patient qui a été traité en deux fois et en bleu le premier volume thérapeutique, et vous voyez qu'en en, en jaune, vous voyez le second temps thérapeutique, donc c'est un traitement en deux fois avec une occlusion complète. Alors, euh, in fine, quand il va falloir prendre une décision et qu'il va falloir réfléchir au rôle des différentes approches, dont la radiochirurgie, eh il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en, en compte. Il va falloir prendre des paramètres en compte qui sont des paramètres radiologiques. Le volume, la topographie, est-ce qu'il y a des veines de drainage, qui sont profondes, superficielles, est-ce que le nidus est diffus, la, la forme du nidus, l'enjeu architecture, la présence d'un ébrisme nido. Il y a des facteurs qui sont liés au patient. Euh, Est-ce que est la présentation clinique, c'est sur un saignement, une épilepsie, des phénomènes de vol Est-ce que le patient est asymptomatique est que, Quel est l'âge du patient Quelle est son, son, son espérance de vie euh, Quelles sont les attentes aussi peut-être du, du patient Et puis il y a des facteurs qui sont des facteurs locaux. Euh, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement c'est la vraie vie. C'est-à-dire que selon où on est, il bah, euh, y a plus ou moins d'expertise dans un de ces domaines et ça peut influencer euh, la, la, la décision devant une marque. Alors, le, 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 le facteur pour espérance de vie, c'est un facteur qui est très important. J'essaie de vous montrer sur ce tableau à quel point ça peut être un facteur décisionnel. Quand vous avez un, un, un enfant qui est tout, tout jeune, euh, vous voyez cet enfant, il a 10 ans, il a 77 ans d'espérance de vie. S'il n'a pas de facteur de risque, hein, vous vous souvenez des facteurs de risque de Bob Gross tout à l'heure, euh, s'il a pas pas de facteur de risque, il a une chance sur deux de saigner un jour. S'il a les facteurs de risque, il a 100% de chance. Ça vous aide à prendre une décision. Par contre, si vous avez un patient de 85 ans qui a donc l'espérance de vivre jusqu'à 91, eh bien, s'il est dans la catégorie des faibles niveaux de risque en jeu architecturique, eh bien, vous vous apercevez que son risque de saigner c'est de 6 C'est vraiment pas grand-chose. Donc, il ne faut peut-être pas agresser cette personne-là parce que les agressions chirurgicales ou radiochirurgicales ou embolisation sont plus porteuses de risque que l'histoire naturelle. Par contre, s'il a tous les facteurs de risque, il est proche de 50% de risque d'avoir de des complications liées à l'hémorragie et à la malformation, malgré son âge avancé. Et peut-être que là, on peut quand même considérer faire quelque chose. Donc, dans l'équation, prendre en compte l'espérance de vie du patient, c'est une chose tout à fait capitale. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que cette décision, cette réflexion qui est compliquée, doit être une réflexion, bien entendu, multidisciplinaire, avec un neurochirurgien spécialisé, expert dans la prise en charge des malformations. Un neuroradiologue interventionnel qui connaît bien son job, un neurochirurgien qui fait de la radiochirurgie et qui connaît son histoire. Et puis, il va falloir avoir cette réflexion avec un projet thérapeutique. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de faire du coup par coup en, en, en s'adaptant en fonction de, de, de ce qu'on arrive à faire. Il s'agit depuis le début de réfléchir et de dire voilà, le projet thérapeutique pour ce patient, c'est ces options dans tel ordre, avec tel degré de priorité. Et bien entendu, si on peut résoudre le problème avec une seule intervention, c'est mieux. S'il faut faire du stage, s'il faut faire de la combinaison de procédures, il faut le faire. Alors, on... voilà un exemple d'un patient avec une petite malformation, avec un très bon résultat sur long terme. En conclusion, la radiochirurgie est remarquablement efficace quand on sélectionne correctement les malformations artério-veineuses le taux de complications induits par la radiochirurgie euh, par des mains expertes de neurochirurgiens qui connaissent le, le, le métier de la radiochirurgie, euh, c'est extrêmement faible. Euh, on, on est au-dessous de 3% de, de adverse radiological events, c'est-à-dire de signes radiologiques. Hein, le, le risque de complications neurologiques étant encore plus faible. Euh, bien entendu, on n'a à la fois aucune limite topographique, mais bien entendu, il y a des structures qui sont plus à risque et il faut tenir compte d'un risque plus élevé dans certaines structures spécifiques. Euh, les complications à long terme sont extrêmement rares. Il faut savoir qu'il y a des cas absolument exceptionnels, mais ça existe de... De kystes induits par la radiochirurgie. En général, c'est des patients qui ont été traités dans des centres où on définit le volume thérapeutique de façon un petit peu généreuse. Dans les centres où on est extrêmement sélectif et extrêmement attentif à définir un volume thérapeutique qui est très, très, très confiné au nidus de la malformation, on a extrêmement peu de complications kystiques sur le long terme. Euh, moi, j'ai une série qui est une série de. de plus de 3000 maintenant de malformations intraveineuses, le, le taux de kyste, euh, j'ai un kyste sur une patients, c'est-à-dire que c'est extrêmement faible. Euh, les, les, les adverse radiological events tardifs, euh, c'est extrêmement rare aussi, et les néoplasies, qui sont un risque théorique, bien entendu, euh, dans notre expérience, on n'en a jamais vu, et il y a euh, extrêmement peu, voire pas, de patients rapportés dans la littérature. Donc, dire euh, au moment de la discussion des options thérapeutiques, ah, il ne faut pas faire la radiochirurgie parce qu'il y a un cancer, c'est une chose qui est euh, monstrueusement mensongère et qui est totalement euh, inadaptée. Euh, le... Une fois que la malformation a été traitée par radiochirurgie, que la malformation est occluse, c'est-à-dire qu'on a une artériographie, pas, pas une IRM, et ça c'est très important. Hein. On ne fait pas la démonstration d'une occlusion par une IRM aussi belle et professionnelle soit-elle. Il faut une artériographie et il faut arrêter de dire le patient voulait pas de l'artériographie parce que ça dépend comment on lui dit. Si on lui dit que c'est une question de vie ou de mort, je vous promets que les patients acceptent de faire des artériographies. Donc il faut faire une artériographie parce qu'on ne peut pas. Dire à un patient que vous êtes guéri si on n'a pas une arthrographie. Mais si l'arthrographie démontre l'occlusion, c'est-à-dire la disparition de tout retour veineux précoce, à ce moment-là, le risque de, de saignement devient absolument infinitésimal. Euh, oui, l'occlusion euh, survient avec un délai, qui est un délai de 1 à 5 ans, euh, avec un risque d'hémorragie qui, qui va avec, mais qui est faible. Euh, le risque hémorragique pendant ce temps de latence, comme je vous l'ai montré, il est réduit par rapport à l'histoire naturelle. Euh, quand on a une, un échec, on peut retraiter. Et le fait de retraiter une, deux, trois fois, on a des patients qui ont été retraités quatre ou cinq fois, euh, ça permet d'augmenter encore le taux d'oblitération. Euh, le, taux, le délai d'oblitération n'est pas déterminé, pas prévisible chez un patient donné. Dans les malformations artério-veineuses volumineuses, on peut faire soit du, du, du reductive hypothesis ou bien du, du stage volumétrique radio surgery. Euh, et et on, on peut arriver à traiter des malformations même très volumineuses. Il m'arrive tous les jours, de voir des, 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 des collègues me dire ⁇ Ah, je ne t'ai pas montré cette malformation parce que elle est à l'évidence beaucoup trop grande pour toi. ⁇ Et quand je la regarde, quand je regarde un petit peu avec attention, je m'aperçois qu'en fait, le volume cible, le nidus cible, il est tout à fait accessible à une radiochirurgie parce que le volume de la malformation et le volume du nidus, ce sont deux choses différentes. Et ce qu'on a à traiter, c'est le nidus. Donc il faut faire très attention à cette histoire de, de limite de volume, qui est malheureusement souvent une raison pour disqualifier la radiochirurgie de façon tout à fait erronée. Euh, Aujourd'hui, on est dans une époque où on devrait, où on a, j'espère, une approche beaucoup plus nuancée du risque individuel. On a une approche qui, doit être, qui se veut multidisciplinaire. Il faut absolument intégrer une, une évaluation individuelle de l'histoire naturelle chez le patient. C'est absolument capital. Et il faut vraiment prêter beaucoup d'attention à délivrer aux patients une information individuelle, nuancée, précise. Et il n'est plus possible aujourd'hui de délivrer l'information que nous délivrions à ces patients il y a 20 ou 30 ans. Euh, Aujourd'hui, a, on, on a passé l'époque des embolisations excessives. Il y a un moment où tous les patients ont été embolisés. Euh, Aujourd'hui, dans les centres où, où il y a une approche raisonnable, euh, le, les indications d'embolisation sont réduites à des situations très particulières de grosses malformations artérielles ou de malformations avec un anévrisme associé. Dans les larges malformations artéo la collaboration avec le neuro-radiologue un peu expert dans les MAV permet vraiment d'avoir une analyse sélective en architecturale qui est très importante. Et, et une fois de plus, le diagnostic le, de, de l'efficacité, ça se juge sur une artéographie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à des questions si c'est prévu. Merci beaucoup Jean pour cette excellente présentation. Euh, je connais à ta rigueur euh, puisque j'ai été à la Timone. Je suis passé également au cours de radiochirurgie à l'époque. Euh, je voulais juste te, te poser quelques questions euh, concernant le, les. Euh, la radiochirurgie et la Est-ce que euh, une embolisation d'une partie, donc pour les, 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 les malformations volumineuses, c'est-à-dire l'exclusion d'une partie sans partir au nidus, est-ce euh, que pour toi donc ça pose problème Alors, euh, comme, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, quand une malformation est euh, en première ligne, atteignable par la radiologie il ne faut surtout pas faire de l'embolisation. Euh, mm -hmm. Même sous prétexte d'occlure une partie, de réduire, parce qu'une malformation qui fait moins de 5 cc, le nidus fait moins de 5 cc, mm -hmm. il n'y a aucune, aucun intérêt à l'embolisation, sauf en euh, anévrisme intranidal. Euh, bien entendu, si il y a une malformation très volumineuse, si l'embolisation arrive à occlure une partie de la malformation, c'est intéressant. Mais attention, un, malheureusement très souvent, euh, l'embolisation crée des situations d'occlusion de, de en pismile, émiettée, euh, et alors ça, bien entendu, ça ne nous permet pas de réduire le volume thérapeutique. Euh, et deuxièmement, euh, euh, quelquefois, on a l'impression qu'une partie du disque est occluse, mais aujourd'hui, les embolisations à l'onyx quand on regarde une malformation artovéneuse en artéographie qui a eu de l'onyx, on a l'impression qu'il y a une partie, comme l'artère que j'ai montrée tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une partie qui est, qui est, qui, où il n'y a plus de prise de contraste. Mais il n'y a plus de prise de contraste, pourquoi Parce que comme l'onyx est d'une densité extrêmement forte, les rayons ne passent pas à travers l'onyx. Et donc, s'il y a du produit de contraste dans cette partie, on ne le voit pas parce que les rayons sont arrêtés par l'onyx. Et que dans la soustraction, on ne, on ne voit pas l'onyx. Donc il faut faire très attention que quelquefois il y a des malformations dont le résultat artéographique laisse à penser qu'il y a une partie d'une duse qui est occluse, mais qui surestime la réalité. Dire les choses un tout petit peu différemment. Moi, je des patients comme ça. J'ai traité la partie qui était à l'évidence toujours circulante. Et quand on a traité ça et qu'on a guéri, ben, ça circule toujours. Pourquoi ça circule Parce que ça circule toujours dans le volume qui a été traité par l'embolisation. Et donc, dans, dans un second temps, on est obligé d'aller traiter le volume qui avait été traité par l'embolisation. Je ne fais pas du tout un, une charge contre l'embolisation. Je travaille avec d'excellents embolisateurs qui sont des gens très, très euh, raisonnables, très, très experts techniquement et qui sont d'ailleurs tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire, je crois qu'il faut réserver l'embolisation pour les cas de grosses malformations, et malheureusement, savoir que ça ne permet pas de, toujours d'occlure de façon totale un, un secteur complet de la malformation, et que c'est plus compliqué que ça. D'accord. Merci beaucoup. De ma deuxième question, c'était concernant donc, le biologique, les effective doses. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose parce qu'on en parle Alors, les BED, euh, alors le alors le concept de BED, euh, c'est lié au fait qu'on euh, on, on sait, on sait depuis très très longtemps que l'étalement d'une dose de rayonnement ionisant, va modifier considérablement son effet biologique. C'est-à-dire que l'exemple typique, c'est le fractionnement. C'est-à-dire que quand on, quand on fait un traitement d'un méningiome en radiochirurgie fractionnée sur 5 fractions, pour atteindre l'efficacité d'une dose ludique de 12 grés, il faut faire 24 grés en 5 fractions. Donc, il faut doubler la dose pour avoir la même efficacité. Tout ça parce que le tissu sain et la tumeur récupèrent entre les fractions. Bon, donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'étalement de la dose. Et euh, euh, il y a des gens qui euh, se sont posés la question de savoir si, quand on traitait une malformation veineuse avec 24 degrés, euh, si on la traitait rapidement, si on délivrait rapidement les 24 grés ou si on la délivrait lentement, ça changeait quelque chose. Alors en particulier dans le gamma-knife, parce que le gamma-knife a des grandes vertus absolument indiscutables en termes de sélectivité, de conformité, mais le gamma-knife, en fonction de l'âge des sources, on peut traiter la même malformation avec un temps X ou avec le double si les sources sont en fin de vie. Et on a, en, Au début, quand, quand je commençais à la radiochirurgie, on nous a toujours dit que ça n'avait aucune influence. En fait, on sait qu'aujourd'hui, ça en a une, qu'il faut en tenir compte. Euh, mais c'est une, une incidence qui, d'abord, aujourd'hui, qui n'est qui est, qui est, qui est pas très, très bien modélisée. C'est relativement bien modélisé dans des indications comme les, les malformations les, les névrages faciales, excusez-moi, mais pas tellement dans les malformations artéovéneuses. Euh, donc, c'est vrai qu'on doit tenir compte du temps que l'on met à, te, te, euh, à traiter un volume euh, en, en radiochirurgie. Euh, C'est-à-dire que selon les techniques, quand la même dose est délivrée dans un temps court ou rapide, ben on sait que ça fait une différence. Dans le cas des malformations, ça fait la même différence pour la malformation et pour le tissu autour, parce que dans les deux cas, ce sont des tissus à alpha beta, ratio, bas, euh, donc il n'y a pas de, de, de gradient en, entre les deux. Euh, après, euh, en pratique, dans, la malformation, dans les malformations veineuses, ça change très peu de choses. Ce qui change énormément de choses d'un point de vue technique de la radiochirurgie, c'est l'embolisation. Pourquoi parce que le problème de l'embolisation, c'est que quand vous mettez du tantalium dans une malformation artéo euh, vous créez une, une déformation par rapport à ce qui est prévu. C'est-à-dire, j'essaie je, de m'expliquer mieux. Quand vous traitez une malformation artéo-veineuse, vous faites l'hypothèse que tout le cerveau, euh, tous les tissus traversés par les rayons pour atteindre la malformation, ont une densité qui est proche de celle de l'eau. Quand ces rayons rencontrent du tantalium, qui a une densité très supérieure à la densité de l'eau, vous allez créer ce qu'on appelle du scattering. Donc, ça va arrêter les rayons, les réverbérer. Et en fait, quand vous traitez des malformations qui ont été lourdement embolisées par du tantalium, en fait, vous les sous-traitez. Donc, le problème aujourd'hui technique. Euh, de la radiochirurgie des malformations c'est pas celui du BID à mon avis c'est celui de l'embolisation et, et de la perturbation de la dosimétrie qui est induite par la présence de tantalium dans le nidus malformatif Merci beaucoup euh, Adrien Oui bonjour bonjour professeur oui. Est-ce qu'on a des questions Alors je vérifie encore mais je crois qu'il n'y a pas de questions dans le, le groupe de discussion. Alors, professeur, si vous me permettez, je voudrais bien vous poser une deux petites question. Je vous remercie d'abord pour votre présentation et d'avoir partagé votre expertise avec nous ce soir. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'était euh, dans quelle mesure est-ce que justement, je crois que vous avez fait un petit peu allusion euh, sur la fin de la présentation, la présence d'un d'hyper d'hyperdébit euh, modifie votre approche et euh, quelle séquence de traitement à ce moment-là proposez-vous Alors. Quand on discute les dossiers avec les neuroradiologues et l'équipe multidisciplinaire, quand il y a un facteur de risque anévrismal, ça peut être en soi une indication à faire une embolisation de l'anévrisme première pour réduire ce facteur de risque spécifique. Euh, voilà, quand, quand on... Alors après, on sait que quand on va guérir la malformation, l'anévrisme va disparaître, parce que quand ce sont des anévrismes de flux, en tout cas, euh, ce sont des anévrismes d'hyperdébit et le fait d'occuper de, de, la malformation va les faire disparaître. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que ça saigne entre-temps, et, et donc quand le, le radiologue qui est... Plus expert que moi pour déterminer sur si un anévrisme est à risque, dit celui-là c'est un anévrisme à risque, il est accessible de façon interventionnelle, je le coil, le radiologue a la priorité sur le coiling de l'anévrisme de façon claire. C'est pas du tout la même chose. De coiling en, en préalable à une radiochirurgie un anévrisme, ou, ou d'emboliser de, de, euh, au tantalium euh, un idus. Hein. Autant on, on est, vous l'avez compris, sur une malformation de petit volume, très très euh, réticent à une embolisation préalable, autant l'embolisation de coiling d'un anévrisme, c'est une chose tout à fait raisonnable et rationnelle. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et alors deuxième petite question euh, que, que pensez-vous de l'efficacité relative euh, par rapport au Gamma Knife des autres dispositifs de, de radiochirurgie, le CyberKnife par exemple, dans le traitement des MAV en particulier si, c'est toujours un, une question qui est compliquée parce qu'il y, y, y a des intérêts en jeu. Euh, si vous voulez aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que un, le CyberKnife c'est une machine extraordinaire. Pour traiter le poumon, la prostate, les choses comme ça, c'est indiscutablement une machine beaucoup plus performante, beaucoup moins performante que la radiochirurgie Gamma Knife pour le cerveau. Euh, les, les défauts de la radiochirurgie CyberKnife, c'est quoi C'est premièrement, euh, alors je, je m'excuse, je vais être un peu désagréable, mais c'est premièrement que souvent les CyberKnife sont utilisés dans des contextes non neurochirurgicaux. Or, à mon avis, ce qui est extrêmement important quand on traite une malformation, c'est que cette malformation soit traitée par un neurochirurgien, quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît, qui sait ce que c'est une malformation artério-veineuse, qui sait interpréter une artéographie. Et, et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, vous allez me dire, c'est pas lié à la technique, mais si, parce que euh, malheureusement, la grande majorité des cybernaïfs autour de la planète, ils ne sont pas gérés par un neurochirurgien. Alors quelquefois, il y a un neurochirurgien qui est invité à venir boire le thé en même temps, euh, qui quelquefois, on lui demande donner de, de, un avis sur le volume. Cible, mais ce n'est pas lui qui fait la radiochirurgie. Et ça, ça fait une énorme différence. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que euh, les cyberknife délivrent euh, une dose au corps de l'individu qui est beaucoup plus élevée que la dose au corps qui est délivrée lors d'un euh, grammaire. Alors, vous allez me dire, oui, ce n'est pas très grave. Non, c'est très grave parce qu'il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui montre que euh, chez les gens qui ont une longue expérience de vie, et c'est le cas des malformations artérielles, hein, ils n'ont pas le cancer, euh, chez ces gens-là, eh bien cette différence qui est un facteur 10 de la dose au corps a une vraie... Incidence sur le risque de développer un cancer. Parce que quand on commence à délivrer des doses élevées au corps des gens sous prétexte qu'on leur fait une radiochirurgie, eh bien on voit apparaître un véritable risque de cancer induit lié à la dose délivrée au corps des patients. Et c'est vraiment est une chose qui est, dé, est démontrée de façon physique aujourd'hui. Ce n'est pas, pas débattable, ça. Hein. C'est des mesures physiques qui ont été faites qui démontrent qu'il y a une dose délivrée au corps beaucoup plus importante. Après, il y a un phénomène de scattering qui fait que la. la la couverture de, d de la cible elle-même est relativement satisfaisante. Hein. On délivre les rayons qu'il faut délivrer à la cible. Par contre, on délivre beaucoup plus de doses autour. Et donc, les taux de toxicité euh, autour de la malformation veineuse sont franchement plus élevés euh, dans le cas euh, des NAC en général, incluant le Cyberknife. Euh, je vais faire une allusion à une autre pathologie qui est les neurinomes l'acoustique. Il y a une collègue dans le service qui fait sa thèse de science sur la radiochirurgie des neurinomes de l'acoustique. Elle a fait une revue de la littérature. Quand on regarde le taux de paralysie faciale des centres qui utilisent un cyberknife, alors la plupart ne publient pas leurs résultats, mais les rares qui ont publié leurs résultats, donc c'est supposé être ceux qui n'ont pas les plus mauvais, ils ont un taux de paralysie faciale qui est dix fois supérieur au centre gamma knife. Donc si vous voulez. Et il a été prouvé par des, par des études physiques, donc ce c'est pas des, des, pas des choses qui sont subjectives, hein, c'est des mesures physiques. Il a été montré par des mesures physiques que quand on traite une malformation artérienneuse par un cyberknife, on délivre beaucoup plus de doses au cerveau adjacent et donc on a plus de risques de. Euh, toxicité. Euh, donc si vous voulez, euh, je pense que euh, les techniques qui sont les techniques les plus adaptées à la radiochirurgie des malformations veineuses, c'est les techniques de type euh, gamma-knife. Ces patients ne sont pas des patients qui ont le cancer. Il n'y a aucun, aucun rationnel pour les surexposer à un, un risque oncologique. Euh, Ce n'est pas non plus une urgence à la minute. Et il faut les référer dans des bons centres de radiochirurgie gamma-knife. Il faut surtout pas les faire dans des centres. Euh, donc oncologie, radiothérapie, non neurochirurgicaux, sans expertise des malformations veineuses, avec une machine qui est démontrée pour être moins performante dans cette indication. Merci beaucoup. Euh, you, euh, Adrien, oui. Il euh, n'y a pas une question de, des collègues concernant ah, la de tout, Cartier, oui. les quartiers. Oui, effectivement. Donc, euh, Hassan, petite... Hassan tu, peux, tu peux intervenir directement si tu souhaites. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce webinaire qui est d'excellente qualité. Merci, euh, M. Monsieur, monsieur Régis, pour euh, cette conférence euh, d'une grande qualité, comme euh, vous en avez habitué. Euh, ma question est très simple. Devant une malformation rompue de grade 1, grade 2, chez si un jeune patient parfaitement toléré cliniquement avec un petit hématome qui n'est pas très compressif, euh, accessible à la chirurgie comme à la radiochirurgie, euh, quelle serait euh, pour vous la meilleure option on, on discute la radiochirurgie ou plutôt la chirurgie d'emblée Alors, euh, vous avez remarqué dans mon topo, j'ai insisté, et je le fais toujours, euh, sur le fait qu'il ne faut pas oublier la chirurgie. Et je le dis d'autant plus qu'en en fait, on reçoit un certain nombre de dossiers qui nous sont proposés pour la radiochirurgie, qui à mon avis sont des dossiers qui sont pour la chirurgie conventionnelle. Euh, donc je pense que pour certains centres, en tout cas, il y a un, un excès dans le sens de la radiochirurgie et qu'il y a des, des, une sous-estimation du rationnel de la neurochirurgie conventionnelle dans certaines malformations orthogénales. Ceci étant dit... Euh, je m'excuse, je ne vais pas faire une réponse très claire, mais parce qu'elle est nuancée, justement. Euh, en, en réalité, euh, une fois de plus, c'est très multi-information, multidisciplinaire, c'est très compliqué. Il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que, globalement, une malformation intraveneuse qui est abordable chirurgicalement, qui est un spécélaire bas, qui est une malformation qu'on a de grandes chances de guérir sans morbimortalité. Euh, bah, on a tendance à, pri à privilégier euh, l'exérèse. Après, ça dépend de l'histoire naturelle. C'est-à-dire qu'un patient qui a euh, une malformation artérienneuse qui n'a jamais saigné, qui n'a pas de facteur de risque, donc il euh, n'y a pas de, re de retrouver de précoce, il n'y a pas d'anévrisme associé... Y a il n'y a rien, il n'y a pas d'antécédent hémorragique. Euh, à ce moment-là, étant donné qu'on est au niveau zéro du risque, euh, quand au, niveau zéro, au niveau le plus faible du risque spontané d'hémorragie, euh, bah, même dans un espèce l'air de bas grade, à ce moment-là, peut-être que la chirurgie euh, peut être discutée en alternative d'une radiochirurgie, parce que ce qui est sûr, c'est que la radiochirurgie euh, fait prendre moins de risques. Euh, par contre, dès qu'une malformation intraveineuse est d'un espèce l'air bas, et qu'il y a des facteurs de risque d'histoire naturelle, une, à retrouver nos préfocos profonds, uniques, une malformation qui a déjà saigné, etc. À ce moment-là, ça ne se discute plus, il faut l'opérer. Vous voyez, ce n'est pas tellement juste sur le spécelaire, c'est spécelaire en fonction de l'histoire naturelle. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions Justement, ma question concernait une malformation rompue, avec un hématome bien toléré cliniquement, un patient qui est non déficitaire du tout, pas de céphalée. Euh, Est-ce que, est que les patients aujourd'hui aussi, quand on leur explique les options, ils sont plutôt réticents de dire oui, on va m'ouvrir le crâne. S'il y a une autre option, pourquoi pas La problématique, c'est qu'on est devant une malformation rompue, donc avec un risque de rupture de rupture qui est quand même plus élevée que pour une malformation qui ne l'est pas. Et, euh, et euh, comme, comme euh, vous l'avez dit, euh, la radiochirurgie est efficace euh, réellement et, et, et protectrice vis-à-vis d'un deuxième risque hémorragique qu'au qu bout de 2-3 ans, au moins. Donc, on, on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le fait qu'un patient ait déjà eu une hémorragie euh, c'est un facteur qui justifie une certaine agressivité et qui peut donc être dans l'équation, qui est une fois de plus une équation multifactorielle. Dans l'équation, c'est un élément qui est plutôt en faveur d'une prise en charge un peu plus agressive, c'est-à-dire qu'il peut justifier une exérèse microchirurgicale. Après, une fois de plus, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont saigné, mais qui ont une malformation qui est qui ont une malformation dans un endroit qui est un petit peu compliqué, qui comporte des risques chirurgicaux. Et, et il y a des malformations qui ont saigné qu'il ne faut pas traiter chirurgicalement et qu'il faut traiter par radiochirurgie parce que on, on sait que chirurgicalement on, on va un, avoir un risque élevé. Donc si vous voulez une fois de plus, oui euh, euh, l'antécédent hémorragique est un, un, en faveur plutôt euh, d'une chirurgie, mais c'est à voir en fonction des autres paramètres. Et il y a des patients qui ont déjà saigné chez lesquels nous retenons des indications de radiochirurgie parce que la chirurgie est évaluée comme étant à risque trop élevé. Et il ne faut pas non plus diaboliser le 2% de risque hémorragique dans les trois ans de latence de la radiochirurgie. Si vous avez une chirurgie dans une topographie qui est vraiment très à risque, ce 2%, il, il, il est extrêmement faible par rapport au risque de la chirurgie. Donc voilà, tout, tout ça est très, très multifactoriel. Je pense que euh, le, si la, la malformation, comme tu dis, Hassan, est, euh, est euh, petite, qu'elle est dans une zone qui n'est pas euh, éloquente, qu'il euh, y a un saignement, je pense que c'est une bonne indication de chirurgie, euh, c'est-à-dire en attendant donc, dans la semaine donc, le temps que l'hématome soit un peu liquéfié donc, pour euh, faire un, un geste. Euh, D'ablation de cette lésion, à condition bien sûr, si l'architecture vasculaire ne le permet les apports euh, en fonction, de, bien, bien entendu, de, de cette architecture vasculaire de, de la malformation. Absolument, une petite malformation saigné qui est facile à opérer, il faut l'opérer. Hein. Mmh. Bien d'accord. On a d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Bon. Ben, merci beaucoup, euh, Jean. Et quand est-ce qu'on ve te verra à, à la réunion? <laughs> Un jour avec que j'organise quelque chose. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. <laughs> OK. Bon, ben, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Et merci beaucoup à tous nos collègues qui nous regardent. Thank you very much, John. Okay, thank you, Dr. Regis, and and welcome to all the people here. Uh, do we have a a, a talk scheduled uh, Saeed, for next week yet? No, not next week. And uh, we have uh, thirty uh, July. Uh, Professor Rigwar. Okay. we Will talk about uh, medullar stimulation. Okay, very good. We hope to see you then and stick around. Thank you. Thank around. you very much.